Salam les gars, c'était Gashter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire des attaques et je vais essayer de rusher un trophée. Comme vous avez vu dans, dans la miniature, je pense, je vais jouer ce deck. Ce qui m'a permis de monter arène légendaire. J'ai pas mal augmenté les cartes, donc je pense qu'on va faire un bon petit truc. Donc soit je joue en défi classique. Ah, j'avais pas vu. Il y avait un tournoi. Du coup, soit je joue en défi classique ou soit je fais des attaques. Je pense qu'on va faire le petit coffre à couronne et si on a le temps, bah je vais faire quelques défis classiques. Donc allez, let's go. J'espère que le jeu est pas trop fort. En tout cas, normalement cette vidéo sortira avant sur la chaîne communautaire. On va attendre que c'est presque à 10, on va lancer le feu à gobelin pour essayer de taper la tour. Ok, le mec joue prince ténébreux, on le voit moins souvent le prince ténébreux. Double prince. Je pense qu'il va jouer double prince PK. C'est une bonne compo ça. Allez, grouille. On balance directement le mineur, espérant qu'il ait pas de boucle de feu ni rien. Ça c'est nice, on va lui faire très mal. Oh non, dommage. Non, vite. Oh putain. Bon bah le mineur qui va taper la tour. Donc le mec a électro-sorcier en face. Ouais. Là on est pas mal parti. Il joue mineur. On va essayer de lui enlever pas mal de vie avec ça. On va attendre que notre élixir charge. Hop, on va amener une compo. Je la trouve pas mal puissante. Après je crois que le mec a le... What the... Wow, il balance tout ça juste pour ça. Au calme. On va devoir défendre là-dessus quand même je pense. Je sais pas si c'était bien joué de ma part, mais bon. Ok, ça rejoue prince directement. Je vois que le mec est à fond, là. Il est en rage. Ouah, je vais prendre trop cher. Je la sens pas bonne, là, cette attaque. On perd déjà notre première tour. On va balancer mineur et gargouille. Allez. Grouille. Putain. Eh, mais ça fait trop mal, électro-sorcier, la vie. N'importe quoi, mais regardez-moi ça. Je me fais défoncer. C'est choquant. Putain. Allez, mets ton zap. Ok. Bon, il reste 50 secondes. Il balance le prince. On va essayer de tenter le tout pour le tout. Même si chauffeur s'appelle Kamel. Allez. Mais pourquoi? Mais il a tout pour me contrer. C'est n'importe quoi. Il a tout. Je vous jure, il a tout. Allez, le sort de zap niveau je sais pas combien là. Ouah, d'accord. Il dit déjà bien joué lui. Putain. Allez, laisse-moi gagner, mais oh là là. Bon bah bien joué. Hein. Il a géré. Il m'a défoncé, putain. Je me suis jamais fait défoncer comme ça. Bon bah on va essayer d'en lancer une. On va aller en défi classique. Ouais, on va en défi classique, c'est bon. Ça m'a saoulé. Hop, c'est parti, on va lancer. C'est pas quand on va contre une merde. Arène 5. Niveau 8, ouais, je pense qu'on va pouvoir win là. On va commencer par la combo mineur. En fait, dans mon deck, j'ai plein de compos, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai mineur gargouille, chevaucheur, feu à gobelin, mineur feu à gobelin. Puis après, j'ai beaucoup de trucs de défense avec les esprits de feu, la fournaise qui ferme sur les tours, etc. Donc là, c'est la première tour prise, hein. Très efficace. Ok, il balance plein de trucs. Par contre c'est son sorcier qui va faire mal. Pas qu'il mette trop de coups. Oh, puis il va vite se faire défoncer. On va tenter le tout pour le tout en son balestèque. Hop. Qu'est-ce qu'il va jouer? Un mètre squelette. Très bien. Il m'a un petit peu défoncé.
Ça va, j'ai maxé mes troupes pour. Oh putain. Et tout le monde joue les barbares d'élite, mais c'est tellement pété, sérieux, faudrait peut-être les nerfs. Hein. Alors, on va jouer feu à gobelin ici. Valkyrie pour défendre. D'accord, pourquoi pas. Après, c'est son choix. Ce qui est bien, c'est que le sort de zap, ils l'ont baissé. Du coup, ils one-shot pas directement le feu à gobelin. Sauf s'il a deux niveaux de plus, quoi. C'est pour ça que moi, faut que j'augmente mon feu à gobelin, parce qu'il est que niveau 3. Et que normalement, il doit être niveau 4. Ok, sorcière, on va déjà lui enlever quelques PV. Petite notif de Skype, excusez-moi. D'ailleurs, hein, je le redis, passez voir la chaîne commune, les gars. Pour que y ait pas mal de gens actifs, du coup, on va pouvoir recommencer une belle chaîne. Là, on est clairement en train de le défoncer. C'est bien pour nous, c'est bueno. Allez, hop, on va essayer de prendre la deuxième. Ce qui est dommage, moi, je trouve, c'est que quand on fait des défis classiques, ça compte pas pour le coffre de clan. On va défendre de gargouille sur le chevaucheur. Et je pense qu'on est pas mal. On va essayer d'envoyer une petite contre-attaque. Allez, mineur, fait le taf. Il joue la sorcière. Va pas beaucoup servir. Mettre les esprits de feu. Allez. Zimbabwe. On contrôle clairement le game. Bon, après, il est pas tombé sur la bonne personne parce que j'ai vraiment un deck de pute, moi. Enfin, c'est pas par rapport aux gens qui jouent Jean Royal. Mais bon, voilà quoi. Aussi, j'avais une question. Est-ce que vous voulez que je fasse un nouveau tuto sur quelque chose que vous aimeriez bien qui vous arrange sur YouTube? J'ai fait les logos, les outros, je peux faire miniatures, etc. Donc dites-le moi en commentaire, les gars. Qu'est-ce que j'ai? Kiki. Invitation. What? C'est le mec contre qui joue, attendez. Je crois. Ah ouais, il m'a invité. Attends, on va rejoindre son clan. Salam. Bon, les gars, je vais faire encore une attaque, je pense. Et on va s'arrêter là. Niveau 8. Ouais, si on la rush ses attaques, on pourra en faire une dernière. Donc les gars, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, hein, des petits gameplays sur Clash Royale. Et on vit sur la chaîne commu, je sais pas à combien on est d'abonnés là, faudrait que j'aille regarder, mais foncez voir la chaîne, les gars. De toute façon, vous allez voir cette vidéo, je pense pas, quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard avant que je l'ai après que je l'ai mise sur la chaîne commu. Hop, on va défoncer sa tour avec les. Là c'est une bonne boule de feu. Hop, double sorcier, ils vont se faire désintégrer mon pote. Hop, allez, allez, allez. Donc là il nous joue sorcier de glace, dragon de l'enfer. J'ai vraiment pas de chance les gars parce que j'avais acheté une offre. L'offre arène 9. Ce qui m'a donné 1200 gemmes. Et j'ai ouvert des coffres légendaires dans le shop. Hein. Et trois fois, je crois, trois coffres légendaires que j'ai ouvert, c'est ce que j'ai eu, dragon de l'enfer. J'ai vraiment un problème. Hein. Trois fois, et trois fois le dragon de l'enfer. Je suis pas chanceux. Bon, après, j'ai quand même pas mal de légendaires. J'ai eu le cimetière niveau 2 dans le coffre de clan. Donc c'est pas mal. Je suis chanceux quand même. Après, il me manque pas mal de légendaires. Ouah, je vais prendre cher là, non? Ah, mais squelette, ça fait trop mal. Mais bon, le sorcier de glace, il le one-shot pas. Espérons qu'il a pas de flèche ni rien. On va balancer des esprits de feu. Ils vont terminer la tour, clairement. Pourquoi pas prendre la troisième? Les esprits de feu niveau 10, ça fait tellement mal. Mais bon, là, ils sont niveau 9, mais... Heureusement que je les ai augmentés. Hop, allez, on attend le x2. On va balancer le mineur plus les gargouilles. En tout cas, les gars, j'espère que je me suis augmenté sur le temps de mes miniatures et tout. Enfin,
je les ai pas en deux taf rapide et je me suis appliqué du coup. Bah, j'espère que ça vous plaît et qu'ils sont pas trop dégueulasses. Voilà. On va terminer cette attaque. Un petit peu facile. Hein. Au début, on tombe toujours contre des merdes, puis après, ça va être corsé un petit peu. D'ailleurs, j'organise un tournoi dans pas longtemps. Déjà que on a fait un live cet après-midi. Il y avait 4 personnes, je crois. Ouais, c'était pas trop, les gars. Mais sur la chaîne commune, on a fait un live, on a organisé un petit tournoi. C'était bien sympa. D'ailleurs, c'est celui que j'avais mis au début de la vidéo. C'était amusant quand même. J'étais troisième, moi. Donc voilà, les gars, si vous voulez gagner une petite pub ou des petits logos bannières, bah, allez sur les lives de la chaîne commune. Et moi, je pourrais vous faire des petits logos ou des bannières. Ce qui m'a répondu le mec dans le chat. Bienvenue, Tiger, notre match était super cool. GG ton camouflage, feu gobelin. Merci. Oui, parce qu'en fait, au moment où j'ai balancé la boule de feu et le feu gobelin, ça a caché le feu, du coup, c'était stylé. Bon, bah, voilà, je suis dans un nouveau clan. Bon, voilà, les gars, je pense que je vais vous laisser sur cette petite attaque. Je vais essayer de remonter quelques trophées et moi je vous dis à bientôt les gars. Salam.